Bonjour à tous, c'est Devil. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Recipe for Disaster. Chef professionnel cuistot, c'est moi. On a 4 500 € pour le départ. On a une popularité de départ de 10. On doit servir 30 tables, gagner 1 800 €. Avoir une popularité de 45. Et en bonus, si on veut, on peut faire 60 de popularité. On y va de suite. Donc je sais pas les retours de la première vidéo, je fais cette vidéo là dans la foulée bien évidemment. Donc j'espère que la première vidéo vous aura plu pour que celle-ci puisse vous plaire aussi. Là ce qu'on va faire, nous on vise beaucoup plus grand. Donc déjà on a 2 friteuses, on a une cuisinière, frigo on en a 3. La salle elle me paraît très petite, mais est-ce qu'on peut construire ici? On va regarder ça tout de suite. Est-ce qu'on peut, admettons, j'aimerais construire là. Bah apparemment c'est possible. C'est possible, parfait. Donc on va faire ça. On va construire là, on va construire là et là. Donc du coup, cet arbre, fiouk. Cette fenêtre, on va la prendre, on va la mettre ici. La porte, on va la mettre ici. Ça, on va le mettre là. Ce petit arbuste ici. Un petit peu de déco, un petit peu partout. Ça, on va le prendre, on va le mettre là. Ça, on va le prendre, on va le mettre là. Voilà, pour qui, pourquoi, je sais pas. Il était là. Moi, j'ai envie de le mettre là, tout simplement. On va détruire les murs. Celui-ci, hop, 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 hop. Donc, oui, il faut cliquer à chaque fois. Si on reste appuyé, ça ne fonctionne pas. Voilà, hop. La chaise, je n'aime pas du tout. On va faire déjà la décoration du sol. Le sol, faut que ce soit un sol chaleureux, un sol qui nous donne envie de manger par terre. On va mettre un beau petit sol comme ça. Est-ce que ça me... Oh, c'est beau ça. Hop. Ouais, c'est magnifique ça. Oh oui, là c'est magnifique. Ouais, vite fait. Je regrette déjà. Et on va faire un petit motif de là. Alors je sais pas ce que ça va donner. Je sens que ça va donner. Oh si ça fait beau hein. Oh si ça fait magnifique hein. On va rester comme ça. Les murs. Alors ça c'est moche, ça c'est moche. On va pas mettre ça, je vous le dis tout de suite. Mur intérieur. J'avais vu la dernière fois un petit mur en... comme ça. J'avais vu la dernière fois un petit... C'est moche. Qu'est-ce qu'on peut mettre là? Ça c'est bien. Allez, ça va passer un peu mieux quand même. Hop, on met ça. On va faire juste ici d'abord. Hop. Voilà, voilà. C'est magnifique comme ça. Et ça, on est bien. Comme ça, on est bien. Les murs extérieurs, on va remettre les murs en briques. C'est pas ça. Où est-il? C'est pas ça? Non, c'est pas ça. Bah, hey, dis donc. Où est ce mur? Là, je l'ai déjà mis, c'est pas ça? Oh là là. Ah, mais non, mais c'est ça. Mais oh, Devil. Devil, réveille-toi. Devil. Il n'est pas réveillé, Devil encore. Hop là. Impeccable. Donc l'extérieur c'est fait. Le seul truc, je vais juste faire déplacer, non, copier ça et en mettre une ici. Ça fera un petit peu plus de clarté. Niveau des tables. Il y a des tables ordinaires. Sinon on pourrait partir sur des
table en bois élégante. Éventuellement, on va partir. On va mettre une, deux, trois, quatre, cinq, six. Je sais pas si c'est de trop, mais on va tenter comme ça. Les chaises ordinaires. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en chaises? Chaises élégantes. Oh, c'est magnifique. Hop. Oh, l'argent qui s'envole. Il s'envole. Décoration. Ah, j'ai l'impression qu'on a débloqué certaines choses. On va mettre un petit... Oh, mais c'est vide par ici. Mettre un petit vase là. Ça peut faire sympa. Est-ce qu'on peut pas déplacer tout ça? Voilà. Une case par là. Histoire de laisser un petit peu plus de place. Si on rapproche ça ici. Ouais, pourquoi pas. Voilà, là on est bien. Là on est très bien. Une petite jardinière. Une de chaque côté comme ça. On va mettre une plante moyenne ici. Et une... Oh, il n'y a pas de toilette. Maman. Maman, ils sont où les toilettes? J'entends déjà les clients gueuler. Donc déplace-moi tout ça ici. Voilà. Là ça va passer. Est-ce qu'on peut faire? Tu vas rester là. Toi tu vas aller là. Oh mais c'est serré là. Et toi tu vas aller là. Devant la porte d'entrée. Pourquoi pas. Les toilettes on va les mettre ici. On va les faire maintenant. Toilettes. On va en mettre une ici. Juste une petite cabine. Est-ce qu'on pourrait pas en mettre deux comme ça? Oh, ça fait trop collé. Donc on va faire des murs. Faire ça. On va faire ça. N'oublions pas de les fermer. Et ici, ça comme ça, ça comme ça. Alors, hop, décoration intérieure. Nous allons mettre mur de pierre. Hop là. Comme ça, pour l'instant, c'est bien. Voilà, ici aussi. Oh, ça fait salle de bain, ça fait bien. Et ça fait bien, ça fait bien. Baisse-moi les murs. Comme ça. Le sol. On va mettre du marbre. Voilà. Ça c'est fait. On va y mettre maintenant des portes. Il n'y a pas d'autres portes que ces portes là. Non. Bon ben on va repartir sur les portes. Pleine battante. On va pouvoir faire ça. Non, je voulais pas mettre ça là. Un petit peu compliqué de les prendre. Là. Voilà. Et on va mettre... Ah, oh, elles sont là les portes de cabine. C'est ça que je voulais. Bon, c'est pas grave. Évier. On va mettre un ici. Les toilettes, c'est ok. Juste un petit éclairage. Éclairage de plafond. Éclairage mural. Éclairage mural. On va mettre comme ça ici. On peut pas causer chiottes. Oh merde. On va mettre ça ici. Et ça ici. Ça fait bizarre. Mais pourquoi pas? Et là on va mettre lustre, éclairage de plafond.
Hop là. Dans le restaurant, on va mettre... Oh là, mais j'ai plus d'argent. On va mettre ça, hein. Et ça. Voilà. Déplacer ça. Et... On arrête les frais, on arrête les dépenses, ok. Hein, parce qu'il va falloir acheter à manger. Donc ça c'est bon, niveau cuisine, four, comptoir éventuellement, frigo, frigo, cuisinière, four, grill, friteuse, là on est bien, j'ai envie de vous dire, là on est bien, gagner 1800, on va ouvrir, on a des villes, donc on va mettre des villes en tant que serveur partout. Voilà. Hop, alors petite pause. Il nous faut des ouvriers. Il nous faut un agent de nettoyage. On va prendre Benjamin. Benjamin, il va faire du nettoyage. Très maladif. A tendance à tomber malade. Peut aussi infecter les autres. Oh merde. Tu tombes malade, je te licencie, je te dis direct, Benjamin. Une personne pour le service, on l'a déjà. N'aime pas ça. Est-ce qu'éventuellement on pourrait... Bah, ça va être compliqué là. Elle peut faire la friture, elle. Elle, on va la prendre pour la friture. Et lui, bah tant pis, on va lui faire le grill. Hop. Ici, la friture. On a une personne qui aime la friture à 4. Friture à 4. Ici, on va mettre elle. Et ici, on va mettre... Jamie. On va mettre Jamie pour le nettoyage maintenant. On va laisser en play. Pour le nettoyage, on va mettre Benjamin. Where is Benjamin? Il est là. Et je veux que ce soit propre à 95%. Ici. Dans toute la cuisine, pareil, 95%, et on met Benjamin. Donc tout est bon, on est prêt à prendre nos premiers clients, on n'a plus d'argent, on est fauché, on a moins 4193 €. Ça commence très mal. Ça commence très mal. Allez, rentrez messieurs dames. Messieurs dames, bonjour. Asseyez-vous, prenez place. Est-ce qu'on a des plats? Oui, c'est bon. Est-ce qu'on a les aliments? J'ai pas regardé. Oui, on en a un petit peu. On va en reprendre 10 de chaque. Ça. On garde 10 aussi. Ça aussi, je mets tout à 10. Ça monte très vite. Et l'argent baisse très vite. Hop! Alors, bonjour, bonjour, qu'est-ce qu'ils veulent? On sait pas encore, lui, poitrine de poulet frit et saumon fumé grillé. On va voir si on a besoin de faire un ingrédient bientôt en rupture. Allez, dépêchez-vous. Impossible d'effectuer grill. Il n'y a pas de grill. Il n'y a pas de grill. Hop. Et des stores anciennes, t'as plus à te plaindre maintenant, on a un grill. Qui peut faire le grill? Benjamin. En plus du ménage, tu vas me faire le grill. C'est du n'importe quoi. Alors, il cuisine exceptionnellement bien, c'est parfait. Ça se marche un petit peu dessus, là. On a plus de sous. On est fauché.
Les toilettes. Mais pourquoi ils y vont à deux aux toilettes là? Qu'est-ce que vous faites aux toilettes là? Alors, toi tu fais quoi, Devil là? Dépêche-toi. Allez se reposer, Otto. Non, tu ne vas pas te reposer, mon ami. Il me faut de l'argent, dépêchez-vous. Après, on augmentera légèrement le prix des plats. Le calamar, ça coûte cher, ça, calamar. On va augmenter un peu le prix. On a déjà servi 3 tables et on n'a rien gagné encore. Ah bah, on a gagné 78 euros. 111 euros, c'est bien. Nouvelle demande. Le menu ne comporte aucun des plats que j'aime. J'aimerais qu'ils aient grillé saumon fumé dans le menu. Calamar était passable. Donc, grillé saumon fumé. Ajoute-moi ça. Grillé saumon fumé. On va le mettre à 11,50€. Et est-ce qu'on a du saumon fumé? Oui, on va en acheter un petit peu. Hop là. Benjamin est déjà en repos. Tu te fous de ma gueule, tu fumes déjà. Hop là. Il est parti où, Benjamin? Il est où, Benjamin? Il s'est enfui. On va laisser ça pour l'instant comme ça. Devil m'a servi incroyablement vite. Merci, merci. Mais ce fut avec plaisir. Revenez quand vous voulez. La porte est ouverte. On va accélérer un tout petit peu. Alors, un calamar était passable. Ça, on a vu. Cuisse de poulet grillé était passable. Cet endroit est impressionnant. Le prix du calamar est moyen. Cet endroit est impressionnant. Et bien, le prix du calamar va rester comme ça. D'accord? On est d'accord. On a gagné. Ok, on gagne de l'argent. Ça rentre. C'est bien. Bon, il pleut dehors et dedans. Benjamin, anti-feu, ajoute une action aimée aléatoire et réduit le niveau de stress des personnes présentes si quelqu'un approche du coup. On va faire ça. Hop. Par contre, il nous faut des clients. Parce que là, on perd de l'argent. Et il m'a servi incroyablement vite. Oh là là, c'est magique ça. Ouais, ils sont chiés là. Ça y est, ça rentre. On a des clients. En même temps, il est 14h56. Que voulez-vous? Des fraises. Waouh, c'est quoi ça? Je connais pas ce plat. Impulsif. Alors toi, tu vas te détendre, hein. Ok, frais, c'est ce qu'il aime pas. Il aime le saumon fumé grillé. On peut en faire maintenant. On peut en faire. Dépêche-toi d'en prendre. Le plat n'est pas très cher. Et j'ai envie de te dire... comment effectuer? Ok. J'ai envie de te dire, il coûte le prix qu'il vaut réellement. Je me suis fait jeter. Oh, j'ai fait la croix. J'ai annulé. Oh maman, j'ai fait une connerie. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Allez, rentrez, mes 4 nouveaux clients. On oublie ce qui s'est passé, c'est l'histoire ancienne. Donc l'argent qu'on perd, c'est le salaire. Je crois que j'ai mis un petit peu trop de table, hein. Et Benjamin a pris un nouveau niveau. Stress réduit durant les pauses. Quel bonheur, cette table pleine. Stress réduit durant les pauses. Allez, on va mettre ça. Réduction sur ingrédients. Ok. Pourquoi pas?
Qui c'est qui a envie d'aller aux toilettes là? Qu'est-ce qu'ils font? Ils font caca? Ils font quoi là? Allez, dépêchez-vous de faire caca. Hein. Bah, il avait tellement envie d'aller aux toilettes qu'il est parti avant lui. La petite musique est entraînante, j'ai envie de danser. Devil était grossier, cet endroit est impressionnant. Devil était grossier, Devil m'a servi incroyablement vite. Arrêtez. Arrêtez-le tout ça. Devil, il vient de prendre un point. Présence apaisante réduit le niveau de stress des personnes présentes. Quelqu'un arrange du point. Oiseau de nuit. On va mettre ça. Présence apaisante. Le salaire qui s'en va. On est en négatif. Ça fait peur. 0,50. Ok, on est retourné en positif. Et la journée elle est finie. Le resto est fermé. 26, 25, 24. Ok, d'accord. Donc, première journée. Bilan de fin de journée. Finance. Oh, on regarde pas ça. Ça craint un peu la finance. Endurance moyenne. Cuisson. Ok, les plats super poulet grillé. D'accord. Les critiques, bon, la plupart des critiques c'était bien. On va partir à la deuxième journée. De toute façon, on a besoin de rien. Si vraiment on a besoin, au pire, les tables on peut les enlever parce que on en a pas besoin actuellement. Ouvre-moi le resto. Ingrédients commandés, livrés. Merci bien. Qu'est-ce qu'il a lui? Il est malade? Devil, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu veux toi? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Ah, c'est Benjamin encore. Pas de haine. Supprime une action détestée. Vous ne ferez jamais d'erreur. Quel plaisir d'être le meilleur. Allez. Ici, j'ai un message là, mais j'arrive pas à le voir. Pourquoi j'ai plus personne ici? Camilla, elle est malade. Qu'est-ce qu'elle a? Allez, donnez des congés. Parce qu'elle est malade. Non, je veux pas. Non, arrête. Arrête. Va te reposer. Il me faut une personne ici, mais j'ai plus personne. Hop là, on va engager quelqu'un d'autre parce que là ça craint un petit peu. On va prendre Vanessa qui aime le four. On va prendre Vanessa. Et éventuellement, donc lui il est malade. Ah non, il est maladif. Mais je pensais qu'il était malade. Pourquoi il me manque des gens là? 1, 2. Ici, il me faut le nouveau. Toi, tu aimes bien faire ça. Donc, je vais te mettre là. David était sympathique. Merci beaucoup. Ingrédients commandés, livrés. Ouais. Donc, le stock est à 10. Parfait. Pour l'instant, ça va. Ils sont tous en train d'attendre. Présence apaisante. Mais ils attendent quoi, là? Danger, point de rupture, Benjamin. Benjamin, danger, point de rupture. Qu'est-ce que tu me fabriques, Benjamin, là? Il stresse à fond. Va te reposer.
Le stress devrait descendre, non? En toute logique. Par contre, ils attendent quoi, là? Ils ont commandé ou... Devil, il a dû prendre la commande. Le ticket est là, mais on n'a pas de cuistot. Ah mais oui, mais j'ai mis elle, mais elle est pas là. Oh, le con. En second, je vais mettre... Elle aime pas faire ça. Bah, tu vas le faire quand même. Vanessa. Benjamin, tu vas aider un peu ici. Vanessa, tu vas faire ça. Allez, c'est parti. Parce que l'autre, elle est en congé, là, Vanessa. Ils ont foutu le feu. C'est pas vrai. Maman, on va pas s'en sortir. Extincteur, tout de suite. Qui c'est qui peut éteindre le feu, là? Il lève les mains en l'air, mais ah, au secours! Bon, mais tu prends feu? Tout prend feu, maman, tout prend feu. Donc je vais faire ce que je voulais faire tout à l'heure, tant pis, ce n'est pas grave, on va virer ça. Hop, et puis tout ça. On va racheter un extincteur. Ici. Hop là. Allez, venez l'aider. Éteins-moi ça plus vite. Ils sont pas contents. Par contre, faut asperger ici, hein. Faut pas asperger à côté, hein. Alerte, point de rupture, Vanessa. Mais elle fait rien, Vanessa, elle se fout de moi, là. Benjamin, il est encore en pause. Dégâts, cet objet est trop abîmé pour être utilisé. Et c'était le grill. Le grill, on va en remettre un... Le grill, on va mettre... On va mettre Benjamin en support. Qui va aider un petit peu. Vanessa, on t'enlève. Benjamin, tu vas aider un peu. Et personne ne met un sale. Non. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Point de rupture. Allez, donnez des congés. Non mais attendez, vous voulez que je m'en sorte comment là? On va être obligé d'engager une autre personne. Donc, toi tu n'aimes pas tout ce qui est cuisine. Toi ça passe au four. Allez. Suite là, faut venir tout de suite. Puis gagnez-moi ça là avant de partir. Là. La catastrophe. C'est le Mimi, c'est le Rara, c'est la cata. On va mettre Justin. Justin, il aime bien faire ça. Ok, la friteuse, elle est morte. Et celle-là, elle demande juste à être nettoyée. Donc, hop, celle-là, poubelle. Et de toute façon, on peut faire ça. Une suffira largement. Et qui est là pour le nettoyage, d'ailleurs? Il n'y a plus personne. Rétrécir, supprimer, agrandir. Hop, ajouter. Et on va mettre lui, parce que Benjamin est parti en dépression.
Le pauvre. Hop. Et toi, t'étais qui? T'étais Grant. Eh ben Grant, j'ai l'honneur de t'annoncer que c'est toi le responsable du nettoyage. Là, j'ai mis Devil. Allez. On se relève. J'ai besoin de vous. On est à 13 tables servies. C'est la catastrophe. Hein. 573 euros. Popularité 45, popularité 10%. On est qu'à 10%. Si on descend, c'est la catastrophe. Voilà, les clients arrivent. Allez, c'est bien ça, ça envoie. Et au nettoyage, y'a personne qui peut aider là? Vanessa, toi t'es plus en cuisine toi. Aide un peu au nettoyage aussi là. Parce que c'est dégueulasse. Ça arrive encore les clients, parfait. Vanessa était grossier. Oh, arrête, c'est parce que tu sais pas lui parler. Plat le moins servi. Plat le plus servi. On va faire... Hop là, on n'a rien vu, faut rien dire. Je n'ai rien fait. Ah, mais je vais augmenter la déco aussi de l'intérieur, là, voyons. Pour ça qu'ils se sentent pas bien. Ouais, mais ça, ça va peut propager le feu. Mais tout peut propager le feu. Sauf ça. Mais ça décore pas. Miroir en métal. Ça enlève un petit peu. Vase, il n'y a pas de lumière là-dedans. On va leur mettre de l'éclairage, des lustres. Regardez-moi ça. Ça va être tout beau. Et en tableau. Miroir. Variant de tableau. 250. Oh, j'ai plus de sous. On arrête, j'ai plus de sous. S'il vous plaît. Le plat est parti. Danger, point de rupture, Devil. Devil, se reposer. De toute façon, t'es assisté, t'as quelqu'un d'autre avec toi. Personne n'aime ce restaurant. Je déteste parler aux gens. Mais il se fout de moi, lui. Vous avez des dettes. Si vous terminez la journée dans le rouge, ce sera la banqueroute. Peut-être devriez-vous vendre des objets. Maman. On va vendre quoi? Ça, ils se lavent jamais les mains, de toute façon, c'est des crados. Ça. Ça avait rien changé. Ça aussi. Hein, on vend. Voilà, on est bien là.
Ok, on se fait de l'argent en plus. Parfait. Qu'est-ce que t'as commandé, toi? Y a pas que Devil qui fait ça, quand même. Vanessa. Vanessa. Je l'avais pas mis, elle, tout à l'heure, là. Elle est où, Vanessa, là? Ah, il finissait de manger. Danger, point de rupture, Devil. Mais je peux pas donner de congé, je peux rien faire. On va fermer... Bah, j'allais fermer, de toute façon, le resto. Ouf, on finit la journée en positif. C'est tendu. C'est très tendu. Très, très, très compliqué. Alors, positif, oh, ça va, on est beaucoup plus en positif que de neutre ou de négatif. C'est pas mal. Popularité aujourd'hui, plus 22%. Hier, aujourd'hui, donc ça descend beaucoup, c'est bien. C'est bien, on est beaucoup moins en négatif qu'hier. Un grillé saumon fumé, ça, ça marche. Ça marche beaucoup. Dans mes employés d'aujourd'hui, là, qui est là? Qui est là? Qui est présent? Qui veut bien venir travailler à mes côtés? On a qui revient? Vanessa, Vanessa, Justine. Justin. C'est quoi ce logo-là? Pourquoi ils sont pas contents, là? J'avouerai, je ne sais pas. Au nettoyage. Ah ouais, oui, mais c'est... Voilà, je vais mettre 90%. C'était redescendu. Voilà pourquoi c'est crado. Camilla, pour apaiser bébé quand il fait ses dents. Allez, nettoyez-moi tout ça. Vous êtes deux, ça devrait aller vite. Prends-moi la commande. Le salaire qui tombe. Niveau nourriture. Stock de nourriture, on est bien. Et mangez et dites-moi que c'est bon parce que ça va pas le faire, je vous dis direct. Plat haï. Ok, c'est bon. Donc il a pu manger ce qu'il voulait. Qu'est-ce qu'il a lui encore? Qu'est-ce qu'il a? Le moyen de me servir incroyablement vite. D'accord. Stress pensée. Je déteste parler aux gens. Mais oui, mais tu veux faire quoi alors? Il aime servir, mais il déteste parler aux gens. Et là, il est en PLS, il est par terre. Bah écoute, rentre chez toi. Rentre chez toi, mon petit. Toi, tu as gagné un point. Tu aimes faire quoi? Le nettoyage? Bah tu gagnes un point en nettoyage. Comme ça, ça c'est cool. Allez, bah, je t'ai donné congé là. Rentre chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu attends? Non, je comprends pas. Et Vanessa qui prend un point, elle fait. Le four, alors, sera plus heureuse durant les pauses avec d'autres employés. Quel bonheur, cette table pleine. On va mettre ça vu que t'es dans la cuisine. Ni de manger. La copine a fait caca encore.
Parfait, l'argent qui rentre, mais c'est peu. Est-ce qu'on pourrait pas baisser Alors c'est pas là, c'est là. Baisser le prix de tout. Comme ça, on va avoir un peu plus de clients. Voilà. Les clients devraient venir un petit peu plus, je pense. Ou alors pas du tout. Par contre, David, je l'ai renvoyé, lui. Je sais pas ce qu'il voulait encore. Il est stressé à fond. Va te reposer. J'ai donné des congés et... ça ne change rien. Qu'est-ce que tu fais, toi? Nettoyage. Augmente le nombre de clients qui viendront au restaurant. Allez, hop. On veut plus de clients. On aime les clients. Oh, ça prend fort. Éteins-moi ça. Éteins-moi ça tout de suite. Un petit peu sur vous avant que ça se propage. Parfait. Le mal a été contrôlé. Pourquoi il est en PLS aussi? Aussi lui. Mais c'est le bordel. L'énervant. Tout prend feu. Maman. Maman. Arrête de prendre tes commandes, toi. Ok, il y a le feu, ils vont en pause. Il y a là encore. A atteint son point de rupture. Ok, il est au milieu, lui, c'est... Non, c'est normal. Vous comptez faire quoi, les gars, là? Oh, mais tout prend feu? Salaire équitable basé sur ses compétences. Est-ce qu'on pourrait pas prendre quelqu'un d'autre? Elle éventuellement. Et lui en service? Ou au four? Au four il, est... il peut le faire, le four. Par contre. Ouais, mais tout prend feu là. Hein. D'accord, c'est la panique. C'est la panique totale. C'est la panique totale. Un extracteur, je peux pas en racheter. Éteignez-moi le feu. Bon, quand tout sera cramé, ça sera bon. Le feu sera arrêté. Pompier, anti-feu réduit les chances de mettre le feu aux appareils au cours des cuissons. Allez. Et c'est le bordel là. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour le nettoyage maintenant? Il n'y a plus personne pour le nettoyage. Il n'y a plus personne. On va mettre qui? Geoffrey. Tu me gardes ça clean à fond, à chaque fois. Voilà, dépêche-toi déjà, toi. Maintenant, ça faut enlever, ça faut enlever, ça faut enlever. On va remettre une friteuse. Ici. Et il fallait un grill ici. On va pas les coller. Ça se trouve, c'est pour ça que ça se propage tout le temps aussi. Et le comptoir. Est-ce qu'il faut un comptoir? Ici. Je suis en négatif. Hein. Et c'est le soir. Autrement dit. Je crois que c'est fichu. Donna, tu vas aller là.
Geoffrey, tu vas venir là. Toi, tu n'aimes pas ça. Geoffrey Deville. Toi. Geoffrey. On va tenter comme ça. Et là, je tente le tout pour le tout. Je comprends pas pourquoi. Oh là là, maman. On va faire banqueroute. Lui, pourquoi il attendait dehors? Il y avait une table de libre là, je crois. Donc ça y est, on est en positif, mais alors là, on est en négatif. Danger des villes, point de rupture. Mais le problème, c'est que je le mets en... J'ai fait donner les congés. Ah oui, mais ça peut être que demain. Ça peut être que pour le lendemain. Hop, j'ai pas envie de faire une banqueroute. Ça, on n'a plus besoin. Ça, on peut enlever. On n'a plus d'argent. Ça, on peut enlever, je vais ouvrir là de toute façon. Il n'y a plus dévié. Hop. 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 Et on est en positif. Mais juste avant, j'aimerais refaire. Ah non, je peux pas copier la peinture. C'était lequel? C'était celui-ci. Ouais, c'est ça. Voilà. Là, on est bien. Mais, le sol. Alors, c'est gratuit, hein. C'est pour ça que je me permets de le faire. C'est ça? Non, c'est pas ça que j'ai mis. Si, c'est ça, c'est bon. Ok, alors. On est en positif. Cet endroit est impressionnant. Merci, enfin. Une bonne nouvelle, enfin, quelque chose de motivant. 27 sur 30, 1000 sur 1800. On est à 18%. On survit. Est-ce qu'il y a... Oui, il n'y a plus que des villes, là, de toute façon. La journée est terminée. Maman, c'était compliqué. Cette troisième journée, popularité 15%. Il n'y a que du positif la plupart du temps. Les finances, on les regarde pas. Ouais, c'est très très bien. Non, non, c'est très très bien. Franchement, Gordon Ramsay, il a qu'à bien se tenir. Hein. Là, avec nous... Donc, Deville, ouais... faire ça. Donna. Là c'est Donna. Là c'est qui? C'est Geoffrey. Et puis il a atteint un point de rupture. Mais je lui ai donné... Je comprends pas. Il stresse à fond. Est-ce qu'on pourrait pas le mettre? Il aime pas faire le nettoyage. Il nous faut plus de stockage. Les tables vides ne rapportent rien. Oui, je sais, mais il est chiant. Lui, il est chiant. Ça se propage quand même. C'est incroyable. Tout est éteint. Maintenant, il me faudrait... Voilà, nettoie-moi tout ça. Les commandes sont en train d'être prises. Mais David, il faudrait que je le mette ailleurs, lui. Geoffrey, il aime bien faire ça. On va inverser avec Geoffrey. Hop, on va tout inverser avec Geoffrey.
Et Geoffrey, il faisait quoi? Le nettoyage, je crois. C'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Hop, donc on va resélectionner tout ça. Tant pis, lui, il aime pas le faire, mais il va le faire. Hop là, c'est bon. Faut arrêter de se plaindre, là. Au bout d'un moment, faut bosser. Alors, ça avance un peu. Qu'est-ce qu'il fait, Geoffrey, là? Oh, Geoffrey, il est en salle, il peut pas être là. On va mettre Donna. On va mettre Donna. Elle aime pas, mais elle va le faire quand même. Et Donna. Comme ça, lui, il passe en salle. C'est très compliqué. Devil a atteint un point de rupture. Oh, il m'énerve. Il m'énerve, ce Devil. Client à table. Ok, ils sont en train de manger. Envoie de la commande. Et la cuisson. Je vais donner congé, il le fait pas. Donc j'ai refait donner congé, on va bien voir ce que ça fait. La cuisine est exceptionnellement mal. Oui, bah vous plaignez pas, ok, vous avez à manger dans vos assiettes. Faudrait qu'on remonte un petit peu, que je puisse racheter un frigidaire. Alors servez 30 plats, ça c'est bon. Ça c'est bon. Gagner 1800, ça va être tendu, et ça encore plus. Avec l'autre là qui tombe tout le temps en dépression. Ça va pas être évident. Là l'argent elle rentre, c'est très bien. C'est impressionnant, ouais. On pourrait accélérer un peu, mais c'est pas grave. Ok, bah si c'est pas grave. Bien si c'est pas grave. Nettoyage, ça laisse à désirer. Qu'est-ce qui branle là? À la limite, Geoffrey, faudrait qu'il donne un petit coup de pouce lui dans le. Juste là, là. Non, c'est pas agrandir, c'est rétrécir. On va refaire. On va juste faire ça. Devil. Et on va faire ça. Geoffrey. Voilà, comme ça il fait là et il service en salle. On va faire comme ça. Parce que là il s'ennuie depuis tout à l'heure, de toute façon. Esprit d'équipe, travaille plus vite en cas de restaurant plein. Elle sera plus heureuse durant les pauses avec d'autres. Un pompier éteignit le feu plus vite. Esprit d'équipe. Je suis l'employé le mieux payé ici. Personne n'aime ce restaurant. Arrête. Geoffrey, il fait tout là. Geoffrey, c'est le meilleur employé. Il sert. Il fait à manger. Ah, Donna, elle fait pas ça. Donna, fait ça, là. Geoffrey, il a pas à tout faire, là. Il fait tout. Tout, tout, tout. Est-ce qu'on pourrait pas prendre une autre personne, là? Pourquoi j'en ai plus que trois, là? Lisa, elle adore le nettoyage et elle est sociable. On va la prendre. On a besoin de nettoyage. Le nettoyage, ça manque. Le service à 5. Kleptomane, oups. Vole des ingrédients de temps en temps. Non. Le service. Aime les animaux. Allez, on va réorganiser tout ça. On va faire... Hop, on va mettre elle, Olivia.
Olivia en service. En nettoyage, il y avait lui, le seuil, je veux que ce soit à 95%. Et ici, 95%, toi tu t'en vas, t'aimes pas faire ça. On va mettre Lisa, et en second, on va mettre Geoffrey, c'est ça? Geoffrey. Et là, on va mettre Geoffrey, et en second, Olivia. Normalement, c'est bon. Normalement, Olivia, c'est la femme de ménage, je crois. Ah non, elle a deux, elle aime servir, elle est Olivia. Je me suis trompé. Olivia, elle aime servir. Elle peut servir, c'est pas grave. Elle peut aider quand même. Elle va aider, c'est bon. On est une famille, ok. Le restaurant, c'est un restaurant familial. Montez-moi tout ça, là. Mais lui, au pire, je vais licencier des vilains parce qu'il me saoule. Va te reposer. Voilà. Il m'énerve. Je vais le licencier et... Vite, rentre chez toi. Voilà. Dommage, le service il est à 5 quoi en plus. Bon, ça a l'air de tourner un petit peu mieux déjà. La propreté revient. On est à 20%. 4 moyennes de clients, quoi. Moi, je vais commander, ok. Cet endroit est impressionnant. Super. Me fous pas le feu, toi. Hein. Ouais, cet endroit est impressionnant. Merci, Déborah. Merci, tu es mignonne. Enfin, ça y est, j'ai peut-être trouvé le truc. On remonte la pente. Calamar était mauvais. Olivia m'a servi incroyablement vite. Bah, arrêtez de vous plaindre. Mais arrêtez de vous plaindre. Encore deux clients. On va accélérer légèrement. Là, on peut lier deux seulement. Ok. Ça, c'est good. Niveau supérieur pour Lisa. Lisa qui fait le nettoyage. Les clients seront disposés à payer plus. J'ai pris une action détestée. Allez, enlève-moi le four. Voilà, comme ça, on sait jamais s'il faut que je te passe en cuisine. Oh, un petit groupe de 4 là, c'est super ça. Donna Hamilton a cuisiné exceptionnellement bien. On a encore un niveau supérieur pour Olivia qui fait le service en salle. Homme de fer ne ralentit jamais, même fatigué. Augmente les compétences de cuisine des deux employés proches durant la cuisson. Travaillera deux fois plus vite si personne d'autre n'est affecté à une table. Allez, on va faire ça. Impeccable, cet endroit est impressionnant. Là, on a trouvé le truc, je pense. Tout se déroule très très bien. On a encore un point supplémentaire pour Lisa. Lisa, qui est la femme de ménage, ajoute une action aimée. Plus rapide, 10% de vos compétences, vitesse et déplacement. Il faudra un point de rupture. Alors, supportera un point de rupture de plus avant de démissionner. On va mettre les pas rapides. Je sais pas si c'était le meilleur truc à faire, mais bon. On doit pas être mal là. On s'en approche beaucoup. 28%, donne-moi le bilan. Voilà, le bilan est pas trop mal. Là, ça va. Franchement, ça va. On est sorti du pétrin.
Et c'était le saumon fumé encore qui est... alors, éditeur de recettes. Non, il est où ? Menu, saumon fumé, la grillée. C'était ça, hein ? Ouais, c'était ça. Et si on fait modifier la recette ? Avec ça, je vous laisse. Non, je vais mettre un petit peu d'ail. Voilà. Pour remonter un petit peu le tout. J'adore. Et avec un petit peu de carotte qu'on va faire bouillir. Ouais. On va le faire bouillir. On sauvegarde. Voilà, nouvelle recette. Ah, du coup, on va augmenter un petit peu le prix. Il faut qu'on achète de l'ail et de la carotte. Hop, ici, là. Là, 10. Ah, parce qu'on n'a pas encore été livré. On est bientôt livré. De la carotte, on n'en a pas. On va rester à 10. Allez, on met tout à 11. Parce qu'on est des fous. Il nous faut un frigidaire. Un frigidaire en plus. Hop, 250. Voilà, et on commence la journée. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui? Toi, t'es encore en point de rupture ou... Pourquoi il reste là, lui? Regardez, son stress, il monte déjà. Est-ce qu'on peut pas mettre des villes ici, là? Là. Il reste bloqué là, lui. Mais arrête de prendre les commandes. Il continue de prendre les commandes. Il est plus dessus, je comprends pas. Je comprends pas. Oui, il aime servir, mais je lui ai jamais demandé de servir. Alors toi, Lisa, tu me fais le nettoyage. On va faire ça, je veux pas te perdre pour l'instant. Et Olivia, solitaire, travaillera deux fois plus vite si personne d'autre n'est affecté à une table. Stress réduit durant les pauses. On va faire ça. Hop. Donc c'est bien, on monte bien. On est à 29%. 1600. Qui a pris un point encore? Olivia. Allez, payez plus. Payez plus cher. Comme ça, on peut se permettre d'augmenter un petit peu. Hop. Bon, je vais faire fortune. Voilà. Danger, point de rupture des villes. Et qu'est-ce que tu... Mais arrête de prendre des commandes, je te demande pas de prendre des commandes. Ah, on a une nouvelle commande, une nouvelle demande de recette. Aucun de mes plats préférés n'est servi ici. J'aimerais qu'ils aient bouilli de nouilles de riz. Ajoute-moi la recette. Bouillie, nouilles de riz. On va faire ça. Il nous faut... hop là. Nouilles de riz. Voilà. Là, ça va être bien. Et là, on va dépasser légèrement au niveau frigidaire. On commence très très bien la journée, on est en positif. Ça commence à faire la queue dehors. C'est bon signe. J'ai pas envie de tenter de remettre une table, je sais pas. Ça coûte combien une table déjà? 75. Et j'ai mis celle-là à 110.
Alors on commence la journée, donc on peut se le permettre, je pense. Par contre, vous avez intérêt. Hop, et là on va mettre L. Mais pourquoi il vient lui? Je lui ai pas demandé de venir. Il y a des plats là, faut les envoyer. Va faire une pause. Voilà, elle toute seule, elle va gérer Olivia. Ingrédients, commande livrée. Merci. On est à moins de 338. Aïe 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 aïe. Ok, ça remonte un petit peu. Ok, on a gagné l'objectif du coup des 1 800 €. Cet endroit est impressionnant. Il nous manque les 45% de popularité. Mais alors si on y arrive, franchement, on aura énormément galéré. Serre ça, dépêche-toi, il y a deux nouveaux clients là encore, c'est bien. Il nous faudrait encore des clients là, 4 ça serait bien. Pour espérer retomber en positif, Olivia hein, était grossier. Oh, elle est chiante Olivia. Un nouveau ici, 2. Donna, elle commence à bien cuisiner, c'est bien ça. On devrait terminer en positif, logiquement. Par contre, lui, il est revenu là, des vilains. C'est incroyable. Oh, il y a le feu. Éteignez le feu, s'il vous plaît, tout de suite. Vous êtes deux dessus, là. Vous pouvez l'éteindre. Voilà, parfait. Ah, Don Hamilton, c'est si mal déroulé en cuisinant qu'un feu a commencé. Donna, qu'est-ce que tu branles, Donna? Ouais, avec tous ces clients-là, on va retourner en positif, c'est bon. Par contre, jour 5, on n'a toujours pas fini ça. Les 45%. Maman, c'est très long. Je ne sais pas si en temps normal c'est aussi long que ça. Ok, 32 €. Ouais, on va les avoir. On a encore 4 clients. Notez-moi bien là, parce que voilà, était sympathique. Parfait. Ça augmente ma note, c'est bien. Là, ça arrive. Il mange. Lui, il est parti faire caca. Par contre, c'est celle devant. Oh là 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 là, je sais pas si on peut nettoyer ça. En positif, pile poil. donc, c'est bon, la journée est terminée, on est en positif. C'est ric-rac, hein. Donc en tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était Devil. Pensez à mettre un petit pouce bleu si ça vous a fait plaisir. Allez, ciao ciao, des gros bisous.